Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien aujourd'hui. Moi ça va, alhamdoulilah, donc je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et du coup voilà, donc là je vous ai montré vite fait ce que j'ai mangé. Je viens juste de manger, j'avais trop faim parce que là il est 15h et je me suis seulement posée vraiment pour manger depuis ce matin. On était à droite, à gauche, j'étais là, je faisais ci, je faisais ça, donc là je me suis posée manger. Ça fait du bien, franchement j'avais trop faim. J'ai mangé un truc bien équilibré comme vous avez vu, petite salade. J'ai fait deux petites tartines comme ça de pain grillé. J'ai rajouté par-dessus en fait un peu d'œuf, des œufs brouillés tout simplement, et un petit peu de graines de pavot. Donc je vais reprendre l'alimentation équilibrée, Inch'Allah. D'ailleurs, ce matin on a été faire les courses et j'en ai profité pour reprendre ben, des bonnes choses parce que là il n'y avait plus grand-chose à la maison. En repas, on va dire healthy. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que mine de rien, quand tu manges équilibré, eh bien, il faut tout le temps des fruits, il faut tout le temps des légumes. Il faut tout le temps du fromage, on va dire, allégé, enfin, voilà quoi, des légumes, du pain au blé complet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas en mode, ben j'ai faim, qu'est-ce que je vais faire à manger? Il n'y a rien à manger, je vais me faire des pâtes au fromage. Vous voyez? C'est hyper calorique les pâtes au fromage. Il faut penser à des trucs équilibrés et du coup, il faut tout le temps avoir beaucoup d'ingrédients. J'ai remarqué, c'est plus difficile de manger ben, équilibré que de manger normalement ou de manger, voilà, moi j'ai faim, je me fais des pâtes, je peux me faire des riz, du riz, je peux me faire un sandwich en mettant du poisson pané, de la mayonnaise, du fromage. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai plein d'idées. Même s'il n'y a plus trop de trucs à manger dans le frigo, alors que si j'ai faim, mais il n'y a plus trop de trucs à manger dans le frigo, ben c'est un peu plus galère, je trouve. Donc il faut tout le temps acheter, tout le temps acheter. Ça coûte cher, on va dire, ça coûte cher de manger équilibré. Et le pain en blé complet, c'est plus cher. Tout ce qui est avocat, etc. Le fromage carré frit aussi, c'est plus cher. Bref. Mais bon, Inch'Allah, je vais reprendre. Là, je vais me motiver et je vais vous motiver avec moi. Donc, je continue ma perte de poids. Alhamdoulilah, vraiment, je suis sur la fin. Hein. Franchement, la vérité, si je perds 4 kilos, là, 4-5 kilos, je serai très très bien. Ça y est, c'est les derniers kilos. Mon fils, il a 15 mois. Du coup, bah, j'ai accouché depuis 15 mois. J'ai perdu à peu près, j'ai perdu tous mes kilos de grossesse. Donc j'ai perdu, j'avais pris 23 kilos, j'ai perdu les 23 kilos et même un petit peu plus. Donc pour vous dire, mais là c'est vraiment les derniers kilos que vous ne voyez pas en vidéo. Vous voyez, voilà, vous me voyez comme ça, tac. Mais sauf que moi je mets des vêtements larges. Moi c'est plus au niveau des hanches, du bas-ventre qu'on ne voit pas forcément en vidéo. Mais voilà, j'ai quand même un peu de graisse que j'aimerais éliminer, mais que vous ne voyez pas forcément en vidéo comme je vous ai dit. Bref. Assez parlé de ça. Alors, ce matin, on est parti faire des courses. On est parti faire des petits achats pour Souleymane parce que la rentrée arrive à grands pas dans quelques jours, Inch'Allah. On est parti à Kiabi. Donc, moi, comme vous l'avez déjà vu, peut-être, j'avais déjà acheté pas mal de choses pendant les soldes. Et il me manquait quand même des petits trucs là quand j'ai vu un petit peu ce que je lui ai acheté. Ce que je lui ai acheté, c'est beaucoup des gros pulls d'hiver, des joggings d'hiver et tout. Mais il me manquait des petits pulls fins en fait à mettre. Essentiellement ça qui me manquait. Donc j'ai pris ceux-là. Franchement, je les aime bien. C'est des basiques. J'ai pris 5 ans. Les basiques de chez Kiabi. Donc je l'ai pris en vert à 4,50 €. Ensuite, j'ai pris celui-là, un basique noir aussi. J'aime bien. Il avait déjà, je l'ai racheté parce qu'il lui va plus. Mais voilà, vous mettez ça avec un jogging, avec un jean, ça passe avec tout. Celui-là, j'ai pris 6 ans parce que je trouve qu'il taille quand même assez petit. J'ai pris, comme je vous ai dit, un blanc. Voilà, j'ai pris plusieurs couleurs. C'est vraiment des petits pulls basiques qu'il pourra mettre avec un peu tout, quoi. Un petit gilet parce que, voilà, il n'avait pas de gilet à mettre quand il fait pas trop froid. Pour Ismaël, je lui ai pris un petit haut comme ça. Beige. Lui, c'est vrai qu'il a besoin aussi d'habits, mais je vais attendre un petit peu, je vais les acheter un peu plus tard, Inch'Allah. Là, je me suis vraiment concentrée sur ce qui manquait pour Souleymane pour la rentrée. J'ai pris celui-là. Le bleu marine, franchement, ils sont pas chers. Ils sont à 4,50 €. Ceux-là, ils sont très bien. Ils sont en coton. Ça passe aussi bien avec un jean, qu'un jogging, un pantalon. Voilà. Le matin, on prend ça et ça. Un petit pull, ça, c'est plus pour l'hiver. Un petit pull en maille beige, trop mignon. Voilà, comme je vous ai dit, c'était ça moi. C'était vraiment ça qui lui manquait. Il avait pas du tout de pull comme ça. Il avait que des pulls chauds, trop chauds. Donc ça, c'est l'entre-deux pour l'automne, Inch'Allah. Petit pull comme ça, trop mignon, pareil. J'ai franchement 4,50 €. Ça, c'est une petite veste beige. Voilà, j'ai trouvé trop mignonne. Il va la mettre, Inch'Allah, le jour de la rentrée. Bon, comme ça, elle rend pas bien, mais portée, elle est vraiment trop mignonne. Donc voilà, ça, c'est les trucs qui manquaient. Du coup, voilà pour les petits achats à rentrer pour Souleymane. Donc, dites-moi, vous en êtes tout. Mais je pense que quand je vais poster cette vidéo, ça sera même déjà passé la rentrée. Comment s'est passée votre rentrée scolaire? Comment s'est passée la rentrée de vos enfants, etc. Racontez-moi un petit peu. Je vais vous raconter, moi, Inch'Allah. Je stresse moins que l'année dernière, vu que c'est les moyens.
C'est pas comme c'est la première année, vous voyez, là quand même l'habitude, alhamdoulilah. Du coup, voilà, d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, je vais m'occuper de réorganiser toute son armoire. Donc là, je vais enlever tous les habits qui sont trop petits, les vêtements qui sont tachés, les vêtements qu'il a mis cet été, en fait, là, dans son armoire, c'est vraiment aléatoire. Donc là, je vais vraiment faire l'armoire pour l'école, les vêtements bien clean, bien triés, les hauts avec les hauts, les t-shirts avec les t-shirts, tout, tout bien. Je vais faire ça, Inch'Allah. Je vais vous filmer, je vais vous montrer l'avant et l'après de son armoire. Et c'est parti pour un big rangement de l'armoire. Donc voilà le avant, voilà vous avez le côté pyjama en bazar. Je vais enlever toutes les vieilles culottes. En fait moi vous savez ce que je vais faire? Les chaussettes déjà gros tri. Gros tri au niveau des chaussettes, je vais enlever toutes celles qui sont abîmées, petites et tout. Et pareil pour les culottes, je vais enlever toutes celles qui sont trop serrées, abîmées, mais je vais pas les jeter. Vous voyez j'avais acheté des culottes neuves pour là. Mais les vieilles culottes, je vais les garder, vous savez pourquoi? Pour son petit frère. Oui. Parce qu'en fait, quand je vais faire l'apprentissage, ceux qui sont encore bien, bah, je vais les garder. Mais ceux qui sont ça y est, quoi, mais je vais les garder pour l'apprentissage, quand je vais faire l'apprentissage à son petit frère. Vous voyez, des fois, ils font catastrophe dans la culotte. C'est horrible. Eh ben, direct poubelle, voilà. Je vais pas me casser la tête, ça sera déjà de base des vieilles culottes. Donc, je vais les garder pour ça, clairement. Bref, c'est parti, gros tri. Je vais m'asseoir par terre. Clairement, je vais m'asseoir juste ici. Hop, il y a Ismaël qui est en train de tourner autour. Je vais me mettre un petit truc sur le téléphone et je vais tout sortir, je vais tout trier. Donc voilà, c'est parti. Et voilà, j'ai tout rangé. J'ai mis les vestes, les joggings, les jeans, chemises, tout ce qui est haut. Ici, c'est les t-shirts. À droite, pull de pyjama. À gauche, pantalon de pyjama. Culotte, et là c'est les chaussettes. J'ai fait un gros tri dans les chaussettes. Il y avait n'importe quoi, j'ai laissé que ceux qui sont bien. Voilà. Du coup, ça c'est à jeter et ça c'est à garder pour Ismaël, Inch'Allah. Enfin, c'est les affaires de Suleymane qui lui allaient trop petit. C'est l'avantage. Quand on a deux garçons ou deux filles, au moins on peut garder les vêtements. Voilà, franchement, je suis trop contente. Une bonne chose de faite. Alhamdoulilah. Et voilà, je ferme. Bon, les filles, là je suis en plein ménage. J'ai mis le flash pour que vous voyez bien. Je vais essayer de nettoyer ce calcaire qui m'énerve, qui me dégoûte là dans l'évier, vous voyez. Là, là, derrière, le devant, ça va, mais derrière, là, c'est trop. Donc, objectif, nettoyer ça. Du coup, je vais mettre du vinaigre, comme ça. Je vais mettre du pchitz. Mettre ça là. Je vais laisser poser. Désolée, il y a la machine. Je vais laisser poser 15 minutes ou quoi. Après, je vais frotter à fond, même là. Et là aussi, j'en ai. Allez, à peu près 10 minutes plus tard, je vais frotter. Et au grand mot, les grands moyens, je vais prendre ça. Il ne faut pas frotter trop fort pour ne pas griffer ça. Mais je sais que le calcaire, ça s'enlève des fois avec ça. En fait, je vais faire vraiment doucement. Vous voyez, ça s'enlève direct. Bon, là déjà le devant, ça s'enlève. Ok. C'est surtout l'arrière, moi, le pire. L'arrière, là. Je ne sais pas si on voit. Là, vous voyez, c'est ça. Moi, j'ai envie de bouger. Attendez. J'ai envie de vous montrer, mais... Super, regardez. Ça s'enlève direct. Yeah, très très bien. Hop, franchement, je frotte doucement. Je finis avec le produit là, de chez Action. En fait, celui-là, j'ai utilisé parce qu'il est au bicarbonate. Après, si vous avez du bicarbonate, vous mettez bicarbonate et vinaigre. Et j'ai rajouté un peu de une goutte de liquide vaisselle pour que ça mousse. Moi, j'aime bien quand ça mousse. Et voilà, regardez l'après. Franchement, tout clean, tout clean. Vous vous rappelez, là il y avait une trace, là il y avait du calcaire autour. Regardez comment c'est tout, tout, tout brillant, tout propre. Vraiment, j'ai tout enlevé là, ce qu'il y avait ici. Regardez, franchement, trop contente. Donc j'ai laissé le ménage pour plus tard quand je vais les endormir. Là, je m'occupe du repas. Alors pour Suleymane, ça sera du riz qui reste de ce midi. Il n'en a pas mangé, il n'en a pas mangé ce midi, il n'a pas mangé ça, donc il va manger du riz. C'est du riz avec des courgettes. Bon, on ne voit pas les courgettes, c'est une technique pour qu'il mange du riz. Enfin, il mange des courgettes, pardon. Et pour Ismaël, que j'ai au bras, ce petit coquin, il ne veut pas rester. Ça, c'est quand il perd trop patience. Là, il perd trop patience. Ah, il veut trop manger, mais c'est pas cuit, donc je vais lui laisser. Je vais lui laisser regarder les livres un petit peu. Il aime trop, surtout ça, c'est son livre préféré. Mais en fait, c'était un livre qui était à Suleymane, mes premières comptines. Et vous voyez, c'est t'appuies. Hop. Attends, Ismaël. Rigolo.
Sortez carnet, j'aime trop. C'est les petits livres où vous appuyez en fait et ça chante une chanson et tout. Je vous retrouve les filles le lendemain. Donc hier je vous ai filmé, je sais même plus ce que je vous ai filmé, mais j'ai pas terminé la journée, j'ai terminé la journée sur le nettoyage et tout. Et après j'ai coupé. Donc je sais pas si vous ressentez, mais en ce moment j'ai cette envie de filmer des vidéos. Je fais un petit peu moins de stories du coup sur Instagram pour faire plus de vidéos sur YouTube. Parce que c'est vrai qu'avant je faisais beaucoup beaucoup de stories. Et forcément, ben, à défaut de faire des vidéos, je faisais des stories. Mais j'aimerais reprendre YouTube. Je vous explique. Là, j'ai tout nettoyé. Je fais le ménage. Bon, là, c'est juste le biberon qui sèche. J'ai lavé le sol. Vous voyez le réservoir du Tinico. J'ai tout nettoyé. Tout est propre. Alhamdulillah. J'ai juste jeté la poubelle en sortant. Je me suis habillée. Je me suis une petite tenue très mignonne comme ça. Une petite tenue. J'aime beaucoup. Je vous montrerai après mon look. Et en fait, j'ai rendez-vous à 16h15 pour me faire un soin du visage. Oui, je mérite un petit soin du visage en institut. Donc voilà, je suis trop contente. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de soins comme ça. Donc ça va me faire vraiment du bien. J'ai pris rendez-vous juste avant la rentrée, en fait, fin des vacances. Voilà quoi. Pour ça, je sais que ça va me faire du bien. Voilà. Donc un petit moment pour moi. Je vais déposer les garçons chez leur tante. C'est-à-dire chez leur tata. Chez Antoum, comme on dit en arabe. Je vais les déposer chez leur tante. Donc ils vont passer l'après-midi là-bas. Ils vont s'amuser et tout. Et moi, je vais tranquillement me poser pour profiter de mon moment, que j'irai faire un petit tour et tout. Donc voilà, voilà. Donc je vous emmène avec moi dans cet après-midi un petit peu spécial, parce que c'est vrai que c'est pas souvent. Bon, tant que c'est calme, Ismaël il est en train de dormir sur le manigou en haut. Je vais en profiter pour vous partager rapidement mon petit look du jour. Donc je porte un petit haut comme ça blanc, voilà, avec un petit pantalon palazzo noir. Une petite veste pour apporter un peu de couleur et puis en plus un débardeur. Un petit hijab noir. J'ai mis des petits bijoux dorés, montre et bracelet. Et au niveau des pieds, je vais mettre des petites, pas des espadrilles, des sandales compensées. Attendez, je vais vous les montrer. Des petites sandales compensées blanches qui viennent de chez Shein. Voilà, celle-ci. Je vais mettre celle-ci au pied et voilà donc mon petit look du jour. On prépare le sac à langer d'Ismaël avant de partir. Donc moi c'est celui-là, le sac à langer. Depuis longtemps, je l'aime trop. En fait, c'est un sac, tout simplement. Voilà. Vous voyez un sac comme ça que j'avais pris sur Shein. Et il est super souligné. Je trouve qu'il passe avec toutes mes tenues. Et c'est pas trop sac à langer. Vous voyez, il fait pas. Il est mignon, quoi. Bref. Donc Ismaël a grandi quand même. Hein. Il a 15 mois. Du coup, ben, c'est vrai qu'il a besoin de moins d'affaires qu'avant. Mais quand même, il lui faut quand même ses petits trucs. Donc la base, bien sûr, c'est. Là, j'ai mis trois couches avec lingettes, hop, dans le sac. Ensuite, j'ai pris deux petites compotes. Donc, il y en aura une pour lui, une pour son frère. Parce que dès que je lui donne un truc, forcément, à chaque fois, le grand frère, il veut pareil. Donc, des petites compotes. J'ai pris gâteau. Franchement, il n'est pas trop gâteau, mais je laisse toujours un paquet de gâteau dans le sac. On ne sait jamais. Une petite compote, pareil, comme ça, avec une cuillère juste ici, normalement. On ne sait jamais. Thermomètre et Doliprane. Et bien sûr, une tenue de rechange. Donc là, c'est un petit pantalon. Et il y a deux bodys. Un body manche courte et un body manche longue. Et voilà. J'ai fini là. Oh là là, c'était incroyable. Je vous raconte après. Je vous raconte mieux après. Je vais me rhabiller. Après le massage, et puis je me suis posée ici, tranquille, j'ai mangé solo, je vais apprécier mon petit repas toute seule, une petite pizza saumon pesto. Bon, c'est pas équilibré, mais bon, c'est pas grave. J'en peux plus bien. Et voilà les filles, je sors du petit du truc, franchement c'était trop agréable, vraiment. Je suis tombée sur une dame super gentille, elle était toute douce et tout dans ses gestes, elle faisait, mais j'ai trop aimé, je vais demander son prénom comme ça la prochaine fois. Inch'Allah, si je reprends rendez-vous, je prendrai avec elle,
sûre, vraiment. Parce que des fois, il y en a, elles parlent trop haut, elles sont, voilà. Mais elle, c'était vraiment ce qu'il fallait. J'ai beaucoup apprécié. Vraiment, alhamdoulilah, j'ai trop apprécié. Et c'est pas que le visage. C'est la nuque, les épaules. Elle a massé aussi la nuque, les épaules. C'était vraiment fou. J'ai trop aimé, quoi. Donc voilà, alhamdoulilah, ça m'a fait du bien. Après, je suis sortie, je me suis posée. J'ai mangé. Bon, c'était pas équilibré, mais ça m'a fait du bien aussi. Une bonne pizza au saumon, là. Et ensuite, je suis partie faire un petit tour. Elle est où, la voiture ? Là-bas. Je suis partie faire un petit tour à Kiko. J'ai pris un mascara. Apparemment, il est incroyable. J'en entends beaucoup parler. C'est le Extra Sculpt. Je vais vous montrer. Donc, je vais le tester. Ça fait un moment que je voulais l'acheter. Là, voilà. Donc, je suis requinquée. Alhamdoulilah. Donc, je vais récupérer mes enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Bon, pas forcément ce que j'ai fait aujourd'hui. Attendez, je vais me mettre dans la voiture, je vais vous dire. Je disais, les filles, ça c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire. C'est-à-dire de prendre un moment pour vous. Si vous avez des enfants, d'essayer de faire garder vos enfants. Parce qu'en fait, quand on a les enfants, on est pris H24. C'est vraiment une fatigue psychologique. C'est une responsabilité. C'est quelque chose qu'on sent vraiment tout le temps sur les épaules. Et donc, si vous pouvez, de temps en temps, faites garder vos enfants par votre mère, votre belle-mère, les tatis et tout. Et vous faites une après-midi pour vous, comme ça, juste pour souffler. C'est trop agréable, je vous jure, c'est trop agréable. Donc bon, moi j'ai fait ça parce que j'aime trop les soins et tout. Après, vous faites un truc qui vous plaît. Moi, pour le coup, j'ai fait un soin et j'ai mangé une pizza. C'est deux choses que j'aime. Et j'ai acheté un mascara, c'est trois choses que j'aime cumuler. Et ce qui fait que ça m'a fait du bien. La vérité, ça m'a vraiment fait du bien. Et c'est important d'être bien parce qu'en fait, on s'occupe des enfants, être une bonne maman, etc., etc. Mais ça va être bien avec ses enfants. Il faut déjà être bien dans votre tête. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous êtes stressé, énervé, fatigué, tout ce que vous voulez. Mais forcément, ça va se répercuter sur les enfants. Et vous allez avoir moins de patience. Vous allez vite vous énerver, être irritable et tout. Alors que le fait de vous accorder des petits moments par-ci, par-là, à droite, à gauche, ça va vous donner... Oh, ça va vous rebooster en fait votre... Ça va vous rebooster tout simplement. Moi là aujourd'hui c'était ça. Mais même des moments simples. Hein. Moi quand je vais faire la marche toute seule, les filles, c'est archi agréable. Quand je vais faire la marche seule, sans les enfants, c'est ouf. C'est mon petit moment à moi, vous voyez. Donc au quotidien, moi c'est vrai que c'est la marche, le sport, quand ça va reprendre, Inch'Allah, je vais me réinscrire au sport. Mais là, occasionnellement, c'est bien de faire ça. Bref, parce que les enfants, le ménage, la maison, c'est bien, mais penser à soi, c'est mieux. Franchement, c'est important aussi, faut pas s'oublier. Donc je vais vous montrer le mascara que j'ai acheté, c'est celui-là. Celui-là. Extra Sculpt, apparemment il est waouh, il fait des cils de fou, donc on va voir. Donc voilà, sur cette belle note, je vais vous laisser, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis prenez soin de vous. On se retrouve sur Insta comme d'hab tous les jours, les filles, Naila Hijab. Je fais des gros bisous, à très vite, salam alaikum.